Bonsoir à tous, je suis vraiment très heureuse de vous voir tous ce soir. Mon nom c'est Elodie Chabrol, je suis la directrice et fondatrice de Pint of Science France et je vais vous accueillir et suivre avec vous ces trois soirées de live. Donc ce soir c'est le tout premier événement Pint of Science en live. Alors si vous connaissez Pint of Science, vous savez que normalement ça se passe dans les bars, un petit peu partout en France et également un petit peu partout dans le monde. Cette année, on aurait dû avoir 29 pays et plus de 600 villes qui participaient au mois de mai. Malheureusement, à cause du coronavirus, on a d'abord décidé de repousser le festival. Et puis au final, on s'est dit que c'était mieux de le faire en ligne. Donc voilà, plutôt que d'annuler, on préfère être avec vous, chez vous. Donc on espère que vous êtes bien, que vous avez une petite boisson sympa à la main, des snacks. On va vous parler de plein de sujets toute la soirée. Donc là, on va commencer avec StarTech. On a trois intervenants ce soir qui viennent deux de Grenoble et un d'Amiens. L'idée aussi de Pint of Science, c'est de montrer la science qui se passe dans les villes. Et on s'est dit qu'on allait garder vraiment ce concept, même en ligne. Donc, vous allez voir que il y a des intervenants d'un petit peu partout en France qui vont venir vous présenter leurs recherches. Et chaque événement, il y aura des gens de villes différentes. Donc, voilà, je voudrais faire un grand coucou aux équipes qui malheureusement nous regardent derrière leurs écrans et qui ont énormément travaillé pour vous préparer Pint of Science cette année et qui ont été coupées dans leur élan à cause du coronavirus. Donc un gros merci à ces équipes, un grand bravo et puis on espère tout relancer pour 2021. On va faire aussi un petit coucou à Amaury Carad qui se trouve en backstage. Salut Amaury. Donc Amaury ce soir qui va m'aider avec tout ce qui est tout ce que vous voyez pas en gros, mais qui est énorme comme travail. Donc merci Amaury. Et donc voilà. Ce soir vous êtes devant le Pint of Science StarTech qui est sponsorisé par BPI France. Alors qu'est-ce que c'est que BPI France? C'est la banque publique d'investissement, pardon pour le petit brain freeze, donc BPI France est la banque publique d'investissement qui a vraiment pour but d'aider les scientifiques à monter leur start-up et qui veut vraiment, en gros, les aider à avoir ce petit déclic et quand on a une idée de se dire, ben, en fait, moi aussi, je peux monter ma start-up. Et elle a lancé le plan Deep Tech. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que la Deep Tech? Eh bien, la Deep Tech, en gros, ce sont les projets qui sont issus de laboratoires et qui vont évoluer en start-up, que ce soit des laboratoires privés ou publics d'ailleurs, mais ça évolue en start-up. Et donc, BPI France est là pour soutenir tous ces projets et notamment à travers certains concours dont la première intervenante va nous parler ce soir un petit peu plus tard. Donc, on va commencer tout de suite avec Emmeline Richard-Millot, qui est notre première intervenante. Bonjour Emmeline. Bonjour Elodie. Alors, bonjour. Donc toi, tu es coporteur du projet Glycoflux au CNRS, c'est ça? Tout à fait. Donc tu vas nous expliquer ce que c'est que le projet Glycoflux, je pense. Voilà, et ben avec plaisir. Ouais, moi, je suis Emmeline Richard-Millot, je travaille au sein du laboratoire CERMAV. Et je porte le projet Glycoflux. Top. Glycoflux. Ouais. Ok, et donc tu vas nous parler de nouvelles générations de médicaments anti-grippaux, c'est bien ça? Tout à fait, c'est ça. Super. Eh bien, écoute, je disparais pour te laisser, le live. Rien que... Eh bien, merci, Elodie. Donc voilà, donc moi je suis Emmeline Richard-Millot, je porte le projet Glycoflux que je développe au sein du laboratoire CERMAV à Grenoble. Et bah, Glycoflux à l'origine, bah, c'est un projet de recherche et puis bah, aujourd'hui, c'est un projet de création de start-up. Donc moi je vais vous parler d'un virus. Aujourd'hui, si je vous parle de virus, vous avez tout de suite coronavirus en tête, ce que je comprends, ça nous préoccupe en ce moment. Mais moi je m'attaque à un autre virus et ce virus, bah, c'est la grippe. Donc, juste quelques chiffres sur la grippe. Il faut savoir qu'en France, la grippe, c'est 2 à 6 millions de cas d'infection. C'est pour ça que ça sature tous les ans le système des urgences. Et puis, un nombre d'arrêts maladie assez incroyable. Et si on prend l'année 2018, ça a été 13 000 décès causés par le virus. Et bon, c'est un virus qu'on connaît très bien. Et il y a seulement 2 antiviraux sur le marché actuellement. Et ils présentent des limites importantes. Donc, ils sont très peu prescrits en médecine de ville, notamment en termes de résistance. Et sinon, notre alternative, c'est le vaccin, qui est très bien, mais qui est saisonnier et pas toujours efficace. Pareil, si on prend l'année 2018, on a eu 20% d'efficacité vaccinale. Donc, en fait, il y a vraiment un besoin évident de renouveau
en thérapeutique contre le virus de la grippe. Donc ce virus, il s'attaque à nos voies respiratoires et si on le regarde un tout petit peu plus à la loupe, on peut s'apercevoir de son mode de fonctionnement. Donc le virus, vous l'avez là, il a à sa surface différentes protéines, notamment une qui va nous intéresser, qui est l'hémagglutinine. Et cette protéine, elle va fixer spécifiquement des sucres à la surface de nos cellules. Donc c'est pour ça qu'on s'appelle glycoflux. Glyco, c'est pour glycane, aussi des sucres, et flux pour virus influenza, le virus de la grippe. Donc, le virus reconnaît les sucres à la surface des cellules et c'est la première étape pour l'infection. Donc, nous, notre idée à Glycoflux, ça a été de développer une approche thérapeutique basée sur des molécules leurres. C'est-à-dire, en fait, c'est des molécules qui vont présenter ces sucres, qui sont des mimes des sucres qu'on a à la surface de nos cellules respiratoires, qui va permettre de saturer le virus de ces molécules leurres et donc l'empêcher de venir se fixer sur nos cellules respiratoires. En fait, c'est vraiment une histoire de concours entre nos molécules et les cellules respiratoires et c'est nos molécules qui l'emportent, qui permet d'empêcher l'infection. Donc, juste deux mots sur notre technologie, parce que c'est une technologie qui est assez chouette, qui permet de combiner vraiment la biologie et la chimie pour arriver à ce cocktail gagnant de fabrication de molécules innovantes. Donc, notre premier procédé, c'est un procédé microbiologique qui consiste à utiliser une bactérie qu'on va modifier génétiquement de façon à en faire une machine. Donc, cette bactérie, on la cultive et elle devient vraiment notre machine qui va produire le sucre spécifiquement reconnu par le virus de la grippe. Ensuite, ce sucre, une fois qu'on l'a produit avec nos bactéries magiques, on effectue un couplage chimique, c'est-à-dire qu'on va coupler notre sucre sur un support naturel pour permettre une présentation multiple de notre sucre et du coup créer une molécule vraiment beaucoup plus active. Donc aujourd'hui, notre molécule, on a testé son efficacité sur ce virus de la grippe à travers différentes étapes. Donc on a commencé à tester notre molécule sur cellules. Donc on a bien montré qu'on empêchait le virus de venir infecter ces cellules. Ensuite, on est passé à un modèle plus complexe, c'est-à-dire qu'on a testé nos molécules sur des épithéliums respiratoires reconstitués. Donc, c'est vraiment un mime parfaitement physiologique de nos épithéliums respiratoires. Et là aussi, on a eu des bons résultats, on a bien permis d'empêcher l'infection du virus. Et là, d'ici la fin de l'année, on compte passer sur des modèles de souris pour continuer à montrer la bonne efficacité de notre composé. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, à la base, Glycoflux était un projet de recherche. Et puis, fort de nos résultats, on a vraiment eu envie de valoriser nos travaux. Et notre objectif, ça va être de créer une start-up qui commercialisera un spray nasal antigrippal. Donc pour ça, on est en collaboration, on est deux laboratoires à travailler, le laboratoire CERNAV à Grenoble et puis le laboratoire Virpat qui est à Lyon. Et fort de nos résultats, on est entré en contact avec une société d'accélération. Et en fait, une société qui est dédiée à la maturation et l'incubation des startups issues de la recherche publique. Donc nous, à Grenoble, c'est la SAT Linxium, qui est notre partenaire. Ce sont des sociétés qui ont pour but de détecter et faire avancer des projets académiques à haut potentiel de startups. Donc, la SAT Linxium nous accompagne dans le développement de notre projet pour gagner en compétences et puis sortir vraiment notre projet de la recherche académique pour aller vers cette création de start-up. Et c'est par la SAT Linxium que j'ai pu connaître BPI France et notamment participer au concours ePhD, qui était vraiment un concours dédié, comme moi, aux jeunes docteurs qui ont un projet de start-up. Et j'ai pu être lauréate de ce concours ePhD, donc l'aventure continue et on espère pouvoir créer la start-up Glycoflux d'ici le printemps prochain. Voilà, ben, merci de votre attention. Merci beaucoup Emeline, c'était très très intéressant. Alors, on va bien sûr, j'ai oublié de vous dire ça au tout début, mais n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, dans les commentaires, n'hésitez pas. On a un petit temps de questions juste après les présentations. Moi, je vais commencer parce que j'ai quelques questions pour toi, Emeline.
quand on crée comme ça une start-up, il y a combien de temps entre, là tu disais au printemps vous allez créer la start-up, mais combien de temps il y aura avant qu'il y ait un produit? Quand est-ce que vous pensez avoir un produit qui sera sur le marché au final? Alors, nous, on est quand même dans un profil de start-up qui va sortir un produit sur du long terme, parce qu'on est vraiment sur le développement du médicament. Donc, on vise une mise sur le marché après la création de la start-up. Ça va être assez large, mais on va dire entre 6 et 8 ans, voilà, par D'accord. rapport au stade où on en est aujourd'hui. Et ça reste une fourchette large et une fourchette qui peut encore évoluer selon les résultats qu'on va obtenir. Après, d'autres start-up deep tech, notamment au sein de la Satlinxium, ne sont pas du tout dans le même process. Parce que ça ne va pas être une création de médicaments, mais un produit qui aura un time to market beaucoup plus court, parce que les développements ne sont pas les mêmes. Oui, bien sûr, ça dépend du produit. Absolument. Et toi, tu as eu cette idée pendant ta thèse, c'est ça? Alors, moi, pas pendant ma thèse, c'était pendant mon postdoc. J'ai été D'accord. recrutée, j'ai fait ma thèse sur une technologie, sur cette technologie de modification bactérienne pour produire des sucres. Donc, la technologie, je la maîtrisais. Mais c'est derrière sur un projet de postdoc où j'ai continué cette technologie, mais sur une autre thématique. Avant, je ne travaillais pas sur la grippe. Et c'est pendant mon postdoc qu'on a développé Glycoflu en visant vraiment un antigrippal. Ok. Et du coup, postdoc, pour ceux qui, par hasard, sont pas familiers avec le vocabulaire, c'est un temps plus ou moins infini qu'on peut passer après une thèse quand on est chercheur avant d'établir son labo et d'avoir son propre labo. Alors du coup, on a une question, c'est qu'est-ce qui te reste à faire comme recherche pour que ce soit exploitable? Donc moi, je t'ai demandé combien de temps, mais au final, c'est quoi les étapes qui restent à faire et quelles sont les étapes comme ça quand on produit un médicament, un nouveau type de médicament, en fait, quelles sont les grandes étapes, on va dire, avant que ça sorte sur le marché? Eh bien, ça va être les essais biologiques. Donc, nous, on a validé des essais biologiques in vitro, donc que ce soit sur cellules ou sur épithélium. Donc, on a quand même deux types de modèles. On va passer au test in vivo en passant chez la souris. Donc, D'accord. là, on est encore dans tout ce qui s'appelle les essais précliniques. Et OK. après, une fois la start-up créée, on va passer aux essais cliniques à proprement parler. Enfin, non, peut-être encore des essais précliniques d'ailleurs sur d'autres modèles, parce que le modèle de souris en est un. On va sûrement passer au modèle furet, qui est le meilleur modèle pour les infections grippales. Et puis derrière, c'est tout ce qui est essais cliniques à valider. Et du coup, avec l'entrée dans ces essais cliniques, il y aura aussi des aspects qualitatifs sur notre produit à valider, c'est-à-dire effectuer vraiment des études de toxicité réglementaire de notre produit pour en garantir. La non-toxicité, voilà, et un degré de qualité suffisant pour en faire un médicament. D'accord, c'est pour ça que c'est long, effectivement, parce qu'il y a vraiment énormément de choses à vérifier. Absolument. Donc, in vitro, c'est dans les petites boîtes de plastique, c'est ça? In vitro, c'est tout ce qui ne va pas être sur quelque chose de vivant, D'accord. Et enfin, de vivant l'épithélium? proprement parlé. Oui, Comme et ça. l'épithélium, du coup, c'est ça se présente comment? C'est quoi? Comment on fait des tests sur de l'épithélium? Alors, c'est des cultures de cellules complexes D'accord. en phase air liquide. Voilà. Ah, c'est cool. C'est-à-dire qu'on va avoir une phase qui va être à l'air et une phase qui Ouais. va être en milieu liquide, donc qui reproduit exactement un épithélium humain. Voilà, c'est tout. Épithélium, c'est la peau, c'est ça? Non. L'épithélium, ça va être ce qui va recouvrir le poumon, du coup, par exemple, enfin, ou les bronches, ou l'appareil respiratoire. Et D'accord, en dessous ok. de la peau, juste en dessous de la peau, effectivement. Top. Et est-ce que, donc, j'ai une autre question. Est-ce que c'est une idée nouvelle? Ou c'était quelque chose qui était là mais qu'on n'avait pas encore su exploiter et que maintenant avec l'avancement des nouvelles technologies en fait on peut exploiter ce genre de choses ou est-ce que c'est totalement nouveau et c'est voilà. Alors, cette idée du leurre, de leurrer le virus de la grippe, non, Ouais. c'est quelque chose qui est essayé depuis des années. Donc, et puis, c'est des choses qui ont fonctionné d'ailleurs, hein, d'utiliser, vu qu'on sait que la grippe fixe des sucres, d'utiliser ces sucres-là pour bloquer le virus, c'est des choses qui sont testées depuis vraiment beaucoup de temps. Là, notre grosse valeur ajoutée, c'est que ces sucres, ils sont extrêmement complexes à obtenir. Voilà, D'accord. ils sont très, très difficiles à voir, voilà, vraiment à palper, à obtenir. Et nous, c'est notre force et notre technologie de cette production bactérienne, là, de modification des bactéries pour produire le sucre, qui permet d'en avoir une production potentiellement industrialisable. Et c'est ça qui D'accord. est vraiment, c'est cette innovation-là qui permet aujourd'hui d'envisager la start-up sur nos beaux essais biologiques.
D'accord. Et ben justement, en parlant de start-up, moi, j'avais une petite question. Tu parlais du concours ePhD de BPI France, justement. Mais qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que c'est juste en fait le fait de voilà d'être reconnu, ou est-ce que ça apporte un soutien et quelque chose qui vous aide au final à développer une start-up? Non, ça apporte beaucoup de soutien. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'avais pas du tout. Voilà, moi, la start-up, avant de rentrer au sein de la SAT Linxium, il y a maintenant un an bientôt, La SAT, c'est... la SAT Linxium, c'est la société d'accélération de transfert de technologies. Donc, en fait, D'accord. c'est la société qui est chargée de détecter les projets de valorisation, les OK. projets susceptibles à une création de start-up ou à un licensing. Enfin, ils sont chargés de les détecter au sein des laboratoires académiques pour après arriver à faire sortir ces projets et en faire des startups ou des licensing. Et donc, je suis rentrée dans cette SAT et c'est là que j'ai commencé à découvrir un petit peu ce monde de l'entrepreneuriat et à travers le concours ePhD encore plus, parce que du coup, ça m'a apporté des formations, ça m'a apporté un mentoring. Et un summer camp, voilà, entre jeunes lauréats, donc tous avec le même projet, pour arriver à se former à ce monde de l'entrepreneuriat, qui, quand on est issu de la recherche académique comme moi, un hein, pur produit fac, le master, le doctorat, le post-doctorat, donc pas d'école de commerce, rien du tout, j'avais vraiment besoin d'apprendre, ne serait-ce que le vocabulaire de ce milieu-là, et puis apprendre le fonctionnement d'une entreprise. Et ça, c'est à travers la SAT Linxium et la BPI, notamment via le concours ePhD. Puis la BPI, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que moi, la première étape, ça a été le concours ePhD pour vraiment me former et faire avancer le projet. Là, la suite, je prépare le concours eLab, toujours au sein de la BPI, qui là me permettra de vraiment avoir les premiers fonds de roulement pour lancer ma start-up d'ici l'année prochaine. Et donc, si jamais il y a des scientifiques qui sont tentés par l'aventure entrepreneuriale ou qui sont déjà un petit peu en route, sachez que ces concours ePhD, donc qui sont donc, on peut y participer si on est doctorant, mais également après le doctorat. Je crois que c'est 3 ans après le doctorat. Trois Donc ans, oui. les phases cette année, les phases de candidature seront en décembre et mars. Donc surtout suivez BPI France. Et puis, si vous avez déjà créé votre startup, sachez qu'il y a les concours effectivement eLab qui suit, qui est pour les startups un petit peu plus avancées. Donc toi, tu conseillerais de se lancer? Je conseillerais de se lancer si on croit en son projet, si notre projet tient la route, si on a cette volonté d'apprendre autre chose aussi, parce que clairement, maintenant, je fais plus que 100% de recherche du tout, hein, J'ai toute cette formation à l'entrepreneuriat, mais qui est passionnante et qui est effectivement tout à fait un autre métier, mais que je trouve vraiment sympa. N'hésitez pas, parce qu'il y a un accompagnement vraiment dédié, un écosystème qui est mis en place et qui permet de faire cette transition vraiment sereinement. Top, ok, mais c'est intéressant aussi de voir que voilà, il y a des chercheurs dans les laboratoires académiques, mais il y a énormément de chercheurs dans le privé, et il y en a qui décident de monter leur propre start-up et de lancer leur projet. Mais en tout cas, merci beaucoup, on a plus de questions. On est nickel niveau timing. Merci Emeline. Eh bien, Merci merci d'avoir beaucoup. participé et à bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Alors, pour la suite, donc surtout, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook, n'hésitez pas à nous faire des petits coucous, à liker ou bien sûr à poser vos questions. Si jamais vous avez des questions à poser à nos intervenants et à nos intervenantes, on va continuer avec le deuxième intervenant de la soirée, Alexandro Franco. Bonsoir Bonsoir, Alexandro. bonsoir Elodie, Et bonsoir tout donc le là, monde. bonsoir tout le monde. Et là, tu es professeur et chercheur à l'université de Picardie, Jules Verne, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Et tu vas nous parler de comment faire de meilleures batteries en utilisant l'intelligence artificielle. Tout à fait, voilà. Eh bien, je te laisse présenter ça. Hop, et je m'en vais pour te laisser tout le stream. À tout à l'heure. Merci. Merci Elodie, merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bon, je vais vous faire une présentation à la croisée entre les batteries et l'intelligence artificielle, effectivement. Et donc, je vais commencer ma présentation avec un rappel qu'on habite dans quelque chose qu'on appelle l'univers, tout d'abord. Donc, c'est un univers qui est immense, en fait, qui est très grand par rapport à la taille de la Terre. Dans cet univers-là, il y a plein de choses qui se passent. Donc, on a plein de galaxies, on a plein de systèmes planétaires, on a plein de planètes. On en découvre d'ailleurs de plus en plus, dont la Terre, dans lesquelles il y a de la vie.
il y a encore des choses qui se passent. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'à toutes ces différentes échelles, de l'infiniment grand, de l'univers jusqu'à l'infiniment petit, les molécules, les cellules, etc., donc il y a un dynamisme, il y a des choses qui bougent en fait. Et suivant, donc, on explique ce dynamisme à ces différentes échelles en utilisant un concept, et ce concept-là, c'est ce qu'on appelle l'énergie en fait. C'est l'énergie qui rend le dynamisme à l'univers à toutes les échelles, de l'infiniment grand jusqu'à l'infiniment petit. Mais c'est quoi l'énergie au juste? En fait, les philosophes, les chimistes, les mathématiciens, les physiciens, ils se sont posés ces questions depuis très longtemps et on n'arrive pas à définir ces concepts de manière très précise. La seule chose qu'on sait dire sur l'énergie, c'est qu'il y a deux propriétés. La première, c'est que l'énergie peut adopter différentes formes. Et la deuxième, c'est que cette énergie peut se transformer entre ces différentes formes et tout en se transformant, elle va se conserver. Exactement lorsque, par exemple, on va avoir un peu trop de pente, d'accord, et l'énergie est stockée dans la bière, il va se transformer en énergie un peu massique, en forme de graisse, dans nos ventres. Okay? Exactement avec ces mêmes idées et ces mêmes philosophies de la transformation des différents types d'énergie, il y a eu Volta, Alessandro Volta, un chercheur italien, qui a beaucoup travaillé sur la transformation d'énergie chimique, l'énergie continue dans les substances chimiques, en électricité. Et il a eu l'idée, en fait, il a inventé quelque chose qui s'appelle la batterie. La batterie qui permet de transformer l'énergie chimique en électricité. Là, je vais vous montrer dans cette image donc une batterie qu'on peut faire tous à la maison. C'est la, ce qu'on appelle ici la batterie au citron. Il suffit de mettre les bons matériaux dans les bons lieux, dans les bons milieux, et vous allez avoir la génération spontanée des électrons qui vont se mettre à circuler entre ces différents matériaux. Dans le cas de la batterie au citron, en fait, vous avez deux électrodes. Donc, une électrode qui est faite par un clou de zinc, une pièce de monnaie en cuivre, donc c'est le deuxième électrode. Si vous branchez avec des câbles, c'est des électrodes avec un LED, donc le LED, il va s'illuminer. Ces électrodes-là, ici, ils plongent dans un acide citrique, donc présent dans, dans ces citrons. Et donc, ces générations spontanées d'électrons, donc ça arrive parce que vous mettez exactement un électrode en zinc, exactement une pièce en cuivre, exactement dans un acide citrique. Ça ne va pas marcher avec n'importe quel mélange de matériaux. Avec ces mêmes philosophies donc, des batteries, donc, qui combinent de différents matériaux, les bons matériaux pour générer le courant de manière spontanée, donc, il y a eu ces trois messieurs-là qui ont gagné le prix Nobel de chimie en 2019 parce qu'on attribue l'invention de ce qu'on appelle les batteries au lithium. Ces batteries au lithium qui alimentent beaucoup des technologies qui nous entourent, notamment les smartphones, qui ont permis vraiment l'émergence des smartphones et aussi qui permettent la réémergence des voitures électriques. Ces batteries au lithium, ils ont été commercialisées pour la première fois en 1991 et ils présentent un certain nombre d'avantages par rapport aux batteries au citron. Donc, tout d'abord, ils sont rechargeables, ils occupent un petit volume, donc ils sont légers, et ils permettent de stocker beaucoup d'énergie dans un petit volume et dans un petit poids. Ces batteries au lithium, ils ont un principe de fonctionnement assez simple. Vous avez à nouveau les deux électrodes, donc une électrode qu'on appelle pôle moins et une électrode qu'on appelle pôle plus. Lors de la décharge, les électrons circulent de pôle moins au pôle plus. Et en même temps, vous avez la circulation des ions lithium entre le pôle moins et le pôle plus à travers un séparateur. Un ion lithium, c'est un atome de lithium chargé positivement. Et lors de la charge, on va voir le processus inverse. Les électrons vont circuler de pôle plus au pôle moins et les ions lithium vont faire exactement le contraire. Il va revenir à son point de départ. Ces électrodes-là dans une batterie lithium-ion, ils ne sont pas faites de zinc et de cuivre. Ils sont faites par un mélange complexe de matériaux constitués par quelque chose qu'on appelle les matériaux actifs qui va venir loger ou déloger le lithium dans le fonctionnement de ces batteries, les carbones qui servent à conduire les électrons dans cette électrode et une colle qui est faite d'un polymère. Okay? Et selon comment ces matériaux sont organisés dans l'espace, donc on va avoir différentes propriétés pratiques des électrodes des batteries au lithium, comme l'autonomie, le temps de recharge et la durée de vie. La forme de ces électrodes, l'organisation spatiale de ces matériaux dans ces électrodes, dépend comment on les fabrique. Et fabriquer une électrode de batterie au lithium, c'est exactement comme faire la cuisine, en fait. Vous avez différentes étapes. Vous ne devez surtout pas vous tromper sur les ingrédients et sur les étapes de la recette. La première étape, c'est faire une pâte dans laquelle on va mélanger les matériaux, donc on utilise un mixeur. Puis, on va mettre ces pâtes dans un four pour sécher les liquides, en fait, quelque chose qu'on appelle les solvants, OK? Pour former à la fin, à la sortie des fours, donc l'électrode, okay, qui va être une couche noire déposée sur une feuille métallique. Puis, on va effectuer ce qu'on appelle les pressages, dans lesquels on va chercher à améliorer les contacts électriques entre les particules. Ces pressages-là, ça ressemble beaucoup à tirer une pâte, okay, lorsqu'on prépare un gâteau ou une pizza, par exemple.
Et puis, donc, l'électrode qui en résulte, on va le remplir avec un liquide qui est essentiel pour le fonctionnement des batteries, c'est ce qu'on appelle l'électrolyte. Et ça, c'est un petit peu comme, par exemple, on remplit un bave à rhum avec du rhum. Okay? Donc, vous voyez, faire une batterie, c'est exactement comme faire la cuisine. Les gens qui font des manips, donc les expériences, donc comme nous, donc on est souvent confronté du coup à un très gros nombre de paramètres en fait sur lesquels on faut jouer pour trouver la meilleure recette pour faire le meilleur électrode et la meilleure batterie. Donc ça c'est que beaucoup, il y a tellement de paramètres que c'est très difficile de trouver les meilleures recettes. Et donc du coup on dépense beaucoup d'argent en train d'essayer différents paramètres et aussi on dépense beaucoup de temps. Et donc dans mon équipe, ce qu'on développe, c'est des programmes informatiques, donc basés sur l'intelligence artificielle, afin d'aider à l'expérimentateur à trouver les meilleures recettes et les meilleures combinaisons de paramètres. Les programmes d'intelligence artificielle nous entourent déjà dans pas mal d'applications, par exemple dans nos boîtes mail pour filtrer les spams des bons courriers. Mais aussi, ils boostent les moteurs de recherche sur le web, comme Google. Si vous écrivez sur Google Pint of S, Google va vous suggérer Pint of Science, parce que c'est en fait, un algorithme d'intelligence artificielle qui a appris que d'autres personnes précédemment ils ont cherché Pint of Science sur Google. Donc, du coup, la prochaine personne qui cherche le même Pint of S, donc il va suggérer, il va prévoir, il va prédire Pint of Science. Okay? Donc, c'est un algorithme qui permet de faire la prédiction, en fait. Dans ce contexte-là, donc, dans mon équipe, on s'en sert de l'IA pour prédire les meilleures recettes pour faire les meilleures batteries. Et donc, comment on fait ça? Bah, tout d'abord, on collecte beaucoup de résultats expérimentaux. Donc, on cuisine différentes batteries, suivant différentes recettes, différents ingrédients. Avec ces données-là, donc, on entraîne l'IA, l'intelligence artificielle, qui devient de plus en plus bonne. Et une fois que ce programme est suffisamment entraîné, il est capable, donc, du coup, de prédire l'influence des paramètres de cuisine sur ce qu'on peut s'attendre en termes de performance des batteries. Okay? Donc, si un chercheur imagine une recette particulière, donc, il peut demander à l'intelligence artificielle de qui le disent, qu'est-ce qu'on prévoit en termes de performance des batteries. On a développé en fait une intelligence artificielle qui est capable de prédire en 90% des cas la réponse correcte. Okay? C'est une intelligence artificielle de coût très performante. Cette intelligence artificielle aussi, elle peut être utilisée pour prédire des recettes complètement nouvelles a priori, okay? De nouvelles recettes qu'on n'a pas encore explorées d'un point de vue expérimental, pour arriver à constituer, à faire des batteries encore plus performantes que celles qui nous entourent aujourd'hui par rapport aux batteries lithium-ion spécifiquement parlant. Ces projets-là dont je vous ai parlé aujourd'hui, ça s'intègre en fait sur un concept qu'on appelle Industrie 4.0, dans lequel on cherche à faire travailler l'humain en équipe avec la machine intelligente. Et dans mon laboratoire aussi, on travaille beaucoup sur la réalité virtuelle, donc dans les festivals Pint of Science Physique. Donc, j'ai l'habitude d'amener les casques de réalité virtuelle. Donc, j'ai fait tester aux gens la réalité virtuelle. Et avec cet outil-là, donc, on peut vraiment naviguer à l'intérieur des électrodes pour comprendre comment ils sont faits et pour comprendre comment les paramètres de fabrication influencent leur architecture, leur géométrie. Okay? Et tous ces travaux-là, donc, ils sont menés dans le contexte d'un projet européen, donc, financé par le Conseil européen de la recherche, dont je dirige, qui s'appelle Artistique, au Hub de l'énergie, qui est mon laboratoire, donc, à Amiens, donc, au nord de la France. Enfin, donc, cette idée d'intelligence artificielle pour les batteries peut être utilisée pour toute une famille de batteries, donc les unes les plus étonnantes que les autres, comme les batteries tout solides, dans lesquelles on remplace l'électrolyte liquide par un solide, les batteries faites avec des sels de cuisine, donc les batteries au sodium, les batteries au soufre, qui utilisent des soufres, qui peuvent être issus de volcans, des éruptions volcaniques, ou les batteries qui respirent, qui sont les batteries métallaires, toutes ces batteries présentant certains avantages par rapport aux batteries lithium-ion classiques. Pour finir, je vais finir avec cette image dans laquelle ça nous rappelle qu'en fait, ce qu'on stocke dans une batterie, c'est l'énergie chimique, l'énergie électrique, mais c'est la même énergie en fait qu'on a là-haut dans l'univers, dans les étoiles, ok? Parce que l'énergie se transforme finalement, c'est toujours la même énergie qui adopte différentes formes. Et je dirais cette énergie-là, c'est aussi l'énergie qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, et notamment sur une énergie très importante, surtout dans ces temps de pandémie, que c'est ce qu'on appelle la persévérance. La persévérance pour tenir debout en face de cette crise de COVID, pour rendre Pint of Science à nouveau un événement physique, okay, on l'espère bientôt, et surtout la persévérance que nos chercheurs, les chercheurs qui travaillent à la recherche de vaccins, donc ils ont au jour pour trouver les solutions à ces crises, et aussi surtout les médecins et les infirmières qui sont au front de ces crises tous les jours dans nos hôpitaux, donc mon hommage pour eux. Okay? Merci beaucoup à tous pour votre attention. Merci. Merci beaucoup Alejandro, c'était génial. Super intéressant.
On va passer à la partie question. Alors, moi, j'avais une petite question, peut-être une question bête, mais je vais y aller quand même. Qu'est-ce qui se passe dans une batterie soit je l'ai loupé, soit en fait, voilà. Qu'est-ce qui se passe dans une batterie pour qu'au final, quand on a un téléphone tout neuf, la batterie tient toute la journée, puis au bout d'un an, en fait, elle tient plus que 2 heures? Alors, ça, c'est une très bonne question. En fait, ce qui se passe dans la batterie, c'est qu'il y a des phénomènes de dégradation. Donc, il y a certains matériaux qui vont se dégrader avec le temps. Donc, je vais parler rapidement de quelque chose qu'on appelle l'électrolyte, donc qui est nécessaire, qui est présent au sein des électrodes et au sein des séparateurs pour assurer l'échange des ions lithium d'une électrode à l'autre. Donc, cet électrolyte-là, il peut se dégrader dans le temps, notamment si on ne recharge pas de la bonne manière la batterie. Okay? Si, par exemple, on décharge complètement le téléphone, donc on va jusqu'au bout en termes de la batterie, ça peut être des conditions pas bonnes, donc ça peut induire des phénomènes de dégradation. Et donc, parfois, il vaut mieux, en fait, ne pas décharger complètement donc, la batterie. Donc, aller peut-être jusqu'à, disons, 20% ou 10% d'état de charge pour recharger, pour éviter d'arriver à ces états-là. Voilà. D'accord. Parce que ça, c'est souvent ce qu'on entend de dire, laisser décharger jusqu'au bout, c'est mieux. Mais en fait, ce n'est pas mieux pour la batterie. Ça dépend. En fait, je pense que l'ancienne génération des batteries, il y avait des effets qu'on appelait des effets mémoire, dans lesquels, oui, c'était peut-être recommandé donc, de décharger complètement la batterie. Donc, dans ces cas-là, oui, ça n'avait pas beaucoup de matériaux, mais en général, oui, il est recommandé peut-être de ne pas trop décharger jusqu'au bout, quoi, pour ne pas dégrader l'électrolyte, par exemple, notamment. Voilà. D'accord. Alors, on a une question de Guillaume sur Facebook qui demande quel est le type d'algorithme utilisé pour la partie intelligence artificielle. Est-ce que c'est du deep learning? Donc, il va falloir nous expliquer ce que c'est que le deep learning en un mot. Et est-ce que cette IA a dû apprendre des propriétés physiques, de la physique? C'est une très bonne question, en fait. Pour la IA, donc, on peut utiliser un très grand nombre d'algorithmes, en fait. Le deep learning ou les réseaux neurones, donc, c'est une technique parmi plein d'autres. Okay? Et donc, ce qu'on fait dans les laboratoires, c'est on teste de la performance à prévoir de toutes ces différentes techniques. Et après, on choisit les meilleures. Donc, il y a d'autres techniques dont je vais donner les noms en anglais, support vector machine, donc je sais pas trop comment traduire ça en français, mais bon, voilà. Il y a plein de techniques, random forest, ça fait un peu comme les forêts aléatoires, on m'a dit, c'est ça la traduction en français. Bon, chaque technique, donc, il y a ses spécificités mathématiques, donc il va avoir différentes puissances de prévision. Et donc, on les choisit en fonction de ces puissances de prévision. Donc là, les meilleurs algorithmes qu'on a pu développer, donc il y a 90% des cas, ils donnent la réponse correcte. Donc ça, c'est le support vector machine, donc c'est une technique en particulier. Okay. Et voilà, donc après, pour mettre des données physiques dedans, donc ça, c'est très difficile à faire. Et les algorithmes d'IA les plus répandus aujourd'hui, donc ils utilisent 100% des data, en fait. Donc il n'y a pas de la physique, en fait, c'est des data, des données. Et donc, il faut, par contre, s'assurer que les données sont propres. C'est-à-dire que les données sont reproductibles quand on fait des expériences et qu'ils sont de haute qualité, parce que sinon, l'IA va faire une prévision qui est n'importe quoi, en fait. Donc, ça, c'est la condition pour avoir une IA qui fonctionne bien, c'est avoir des données propres, voilà, de haute qualité. Mais mettre de la physique dedans, c'est compliqué, en fait. Donc, les IA d'aujourd'hui, ils ne font pas ça très bien. OK. Donc, peut-être que l'IA du futur le fera... D'ailleurs, oui, tout à fait. D'ailleurs, en fait, aujourd'hui, on parle d'avoir la weak IA, l'intelligence artificielle. La weak en anglais, c'est faible, l'intelligence artificielle faible, qui est basée presque 100% sur les data, sur les données. Donc, après, il y a des chercheurs donc, qui travaillent dans le domaine de la science computationnelle qui travaillent sur la IA forte. La IA forte, en fait, elle est censée avoir un peu plus d'intelligence, le style humain, quoi. Voilà. Okay. Mais bon, ça, c'est des choses en développement. Il y a beaucoup de challenges à surmonter pour arriver à ça, quoi. Voilà. Top. Et merci en tout cas pour cette réponse. On a d'autres questions là qui sont en train d'arriver. On a Jean qui demande sur YouTube si on a vraiment des gains intéressants en capacité ou durée de vie de la batterie grâce à ces nouvelles recettes. Ça c'est ce qu'on cherche à démontrer en fait. Donc, en fait, dans les projets artistiques dont je dirige, donc on cherche à faire des modèles donc, qui permettent de prévoir des nouvelles recettes voilà, qui font vraiment une différence significative par rapport aux batteries d'aujourd'hui. On est confiant parce qu'on est arrivé en fait, à avoir des programmes informatiques qui sont capables de prévoir correctement les résultats expérimentaux et aussi des résultats qu'on n'a pas encore acquis d'un point de vue expérimental. Mais on peut jouer, par exemple, sur des paramètres qu'on appelle la densité énergie. C'est la quantité d'énergie que l'électrode de la batterie peut délivrer par unité de poids, par unité de volume. Donc, ça, c'est une propriété qui peut être liée aussi à la manière d'organiser les matériaux au sein de la batterie.
Donc, on peut aussi jouer sur la puissance de la batterie, la vitesse que ces batteries est nécessaire de recharger, en fait, la vitesse à laquelle on peut la recharger. Ça, c'est aussi lié à la manière dans laquelle ces matériaux s'organisent en espace. Et c'est là où on attend une vraie contribution de ces modélisations, c'est de pouvoir, de ces intelligences artificielles, de pouvoir optimiser l'architecture des électrodes. Voilà. Et là, vraiment démontrer qu'il y a un gain significatif par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, dans la recherche des batteries, il y a beaucoup d'améliorations liées aux matériaux, à la chimie des matériaux qu'on met dedans. Donc là, on peut avoir des gains qui ne vont pas être non plus énormément significatifs, mais c'est quand même des progrès. Donc c'est un progrès qui s'est fait de manière assez continue, quoi. Il y a eu beaucoup de progrès depuis 1991, depuis la première batterie lithium-ion commercialisée, il y a eu vraiment beaucoup de progrès. Donc voilà, c'est fort à continuer. Et là, on espère que les IA donc, pourront booster ça, pourront accélérer cette démarche d'amélioration des électrons. Top. Et alors là, on a une question de Signeux sur YouTube qui est très intéressante parce que c'est sur le processus de recherche un petit peu. Donc, pour trouver une nouvelle recette, est-ce que vous mettez des paramètres au hasard dans le modèle ou est-ce que vous pouvez trouver rapidement les meilleurs paramètres donnant la meilleure prédiction? Comment on fait pour rechercher, comment ça se passe du coup? Bon, en fait, en pratique, donc, on sait déjà par recul expérimental, lorsqu'on fait des manips, donc on fabrique des batteries, on sait qu'il y a des paramètres qui vont influencer plus que les autres l'architecture finale des électrodes et la performance associée, quoi, l'autonomie ou la durée de vie. Donc, on va jouer en priorité sur ces paramètres-là. Et donc, on va reproduire ces manips, des manips déjà faites, et on va faire d'autres afin de générer une base de données suffisamment conséquente pour alimenter les IA et permettre aux IA, après, de faire des prédictions les plus correctes possibles. Une fois que les IA font des prédictions correctes, donc on dit qu'ils sont entraînés, on va les alimenter avec des nouvelles recettes et on va voir, on va chercher à prévoir qu'est-ce qui va donner ces nouvelles recettes. Si le résultat est intéressant, donc là, on va faire la manip, donc on va faire l'expérience pour voir si la IA avait raison, quoi. Voilà, et s'il a raison, bah, on est très content. Ça veut dire l'IA, on démontre que c'est vraiment un guide à l'optimisation. Sinon, bon, l'IA doit retourner à l'école et doit continuer à s'entraîner pour s'améliorer, pour au prochain coup, peut-être faire une prédiction qui soit correcte. Donc, il y a beaucoup de savoir-faire dans les choix des paramètres donc, qui viennent justement des domaines expérimentaux. Donc, c'est des systèmes sur lesquels on travaille donc, depuis les années 70, en fait, donc depuis leur invention. Et donc, il y a beaucoup de recul par rapport à ça. Malheureusement, il y a beaucoup de données qui ne sont pas reportées dans les publications scientifiques. Donc, ça, c'est aussi aujourd'hui un gros effort international en cours pour chercher à standardiser. Ça veut dire faire en sorte que les gens reportent tous les paramètres voilà, qu'ils utilisent pour faire des batteries. Et donc, ça serait vraiment cool parce que si on arrive à faire ça au niveau international, donc on aurait vraiment un très gros volume de masse de données qui pourrait être exploitable pour des IA. Pour faire donc du coup des prévisions encore plus précises et plus puissantes, quoi. Voilà. D'accord, top. On a juste un petit commentaire de Vincé sur YouTube qui disait super message de fin, merci sur la persévérance. Merci beaucoup. Et je voulais dire aussi que c'était effectivement un super message merci de beaucoup. Fin. Et on va faire une petite dernière mini question d'Amaury Carad. D'Amaury sur YouTube, qui nous demande est-ce qu'on sait si l'IA forte, c'est juste un doux rêve aujourd'hui ou si on peut s'y attendre dans un futur pas incroyablement lointain? Waouh. Bon, alors, il y a beaucoup d'efforts dans ces domaines, dans les sciences computationnelles. Donc, je pense que dans le monde de la recherche, on va de plus en plus vers la... Moi, je dirais, c'est même pas la multidisciplinarité. Multidisciplinarité, c'est quand on fait travailler des chercheurs de différentes disciplines ensemble. Mais on va de plus en plus vers la transdisciplinarité, en fait. Des gens qui ont des connaissances sur au moins deux disciplines en même temps. Et donc là, on commence à voir dans les domaines scientifiques des croisées entre le monde de la biophysique, donc les gens qui font des modèles mathématiques, comment ça marche les cerveaux, et les gens qui viennent plutôt de la science computationnelle. Donc, et du coup, oui, on peut s'attendre, je pense, dans les prochaines années, donc des progrès là-dessus assez significatifs pour qu'on puisse développer des applications cool comme ces IA pour les batteries ou d'autres types d'applications. Mais voilà, je suis confiant. Il y a eu beaucoup de progrès. En fait, les progrès dans la recherche, ça s'est fait de manière exponentielle, en fait. Donc, depuis le début du 20e siècle, c'est comme ça. Il y a une explosion des connaissances. Donc, à un moment donné, on peut trouver la rupture
qui déclenche donc la naissance de cette, peut-être déclenchera la naissance de cette IA forte, quoi. Moi, je l'espère parce que ça va être très utile aussi pour les recherches sur les batteries, sur l'énergie, mais aussi sur plein d'autres applications. Et je cite tout simplement un exemple dans les hôpitaux français, donc l'hôpital d'Amiens, par exemple, on a utilisé l'IA pour aider au triage des patients qui arrivaient dans les services donc des urgences. Quand il y a eu vraiment les débuts de la pandémie, donc c'était important d'avoir un outil qui puisse aider à diagnostiquer rapidement, à faire un pré-diagnostic, parce que c'est toujours le médecin qui fait le diagnostic final, des cas qui arrivaient sur les cas d'urgence pour mieux gérer en fait, les lits disponibles. Donc, vous voyez, l'IA aussi peut avoir des impacts très sérieux, très importants. Bon, l'énergie, c'est très sérieux, très important, mais ça peut aussi impacter la gestion des aspects santé, quoi. Donc, j'espère bien que la IA forte va naître bientôt, oui. Super. Eh bien, Alejandro, un grand, grand merci pour cette participation et pour toutes ces infos sur les batteries, l'IA et puis ce petit mouvement d'espoir à la fin. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à tous. Et voilà. Soyez forts. Et peut-être à 2021 dans les bars. Voilà, j'espère bien. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Alors, on va terminer cette première session StarTech du Pint of Science Live avec Catherine Picard. Bonsoir Catherine. Bonsoir Elodie. Alors, toi, tu es directrice de recherche au CEA de Grenoble, c'est ça? Oui, tout à fait, depuis un an maintenant. Et notamment directrice du département santé de l'IRIG, c'est ça? Voilà, c'est l'Institut de recherche interdisciplinaire de Grenoble. Donc, on est en plein dans ce que Alejandro décrivait précédemment. On a besoin d'interdisciplinarité. Donc, nous, ça rassemble des physiciens, des chimistes, des biochimistes, des biologistes et super, des biotechnologues comme moi. Voilà, bio-ingénieurs. Génial, génial. Et donc, tu vas nous parler de régénération osseuse aidée par les biomatériaux ce soir. Oui, merci beaucoup. Merci pour l'invitation et puis aussi merci pour les précédents orateurs. C'était vraiment très intéressant. Donc, je vais partager. Non, on est très contente, très content. Super. Hop. Voilà, du coup, moi, je suis. Donc, ce que je vais vous présenter, ce sont des travaux qui ont été initiés avant que j'arrive au CEA, qui avaient été soutenus par l'Institut Polytechnique de Grenoble, où j'étais professeur pendant 10 ans. Par l'Institut universitaire de France et aussi par le European Research Council. Et désormais, donc, je fais partie du CEA à cet institut IRIG, qui est aussi mon équipe, elle est aussi associée à l'Université Grenoble-Alpes et au CNRS. Donc, je vais vous parler de biomatériaux et plus précisément de la régénération osseuse quand ça se passe pas tout à fait quand on veut. Dans la plupart du temps, si vous faites une petite fêlure, quelque chose de pas trop grave à l'os, votre os, il peut se réparer. Mais s'il vous arrive un gros traumatisme, et dans la région Grenoble, il y en a de nombreux qui sont associés au sport, que ce soit au VTT, que ce soit au ski, ou bien si vous avez un accident de la route, eh bien, vous pouvez avoir un traumatisme osseux qui est tel que votre os ne doit pas se réparer tout seul. Donc, dans ce cas-là, le chirurgien, il va aider vos os à se réparer. Si vraiment le traumatisme est très fort, ce qu'il peut être amené à faire, c'est d'aller devoir prendre de l'os, donc idéalement de votre propre corps, où il va prendre un bout d'os pour aller vous transporter autre part. Ça s'appelle une greffe osseuse. Si ce n'est pas de votre corps, ça peut être d'un autre patient, ça va s'appeler à ce moment-là une allogreffe. Mais cette greffe, elle est associée à quand même des difficultés parce qu'on a une quantité d'os qui est limitée et puis c'est quelque chose qui est douloureux. Donc, ce qui existe déjà depuis de nombreuses années, ce sont des matériaux qu'on appelle des implants que le chirurgien va pouvoir utiliser pour aider à réparer les os. Alors, je vous en ai représenté ici 3 types. Ce sont des matériaux. Ceux qu'on connaît bien, qui sont largement utilisés depuis très longtemps, ce sont des métaux. Ici, vous avez un exemple de vis qui pourrait être, par exemple, utilisé pour fixer une plaque, pour renforcer un os. Au milieu, vous avez des polymères, comme par exemple une cage qui est utilisée ici pour aider le rachis dans votre colonne vertébrale pour aller renforcer quand vos disques sont lésés. Ça, ce sont des polymères, celui-là, qui ne sont pas dégradables, qui vont rester dans votre corps. Et puis, le troisième type de matériaux, ici, ce sont des céramiques. Les matériaux céramiques, en fait, ils miment la composition de l'os, donc eux, ils sont très intéressants
parce qu'ils vraiment ils reproduisent bien la composition de l'os avec des calciums, des phosphates. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils sont fragiles. Donc en général, on ne peut pas les utiliser quand vraiment le défaut, le trou dans l'os est trop important. Ça, c'est utilisé quand dans certaines situations, mais quand c'est vraiment très très grave, alors le chirurgien, il doit utiliser ce qu'on appelle un actif. Et là, il doit mettre un ingrédient qui va permettre de stimuler les cellules souches qu'on a dans notre corps pour aller leur dire d'aller faire de l'os. Alors, à gauche, vous avez la structure d'un de ces actifs qui s'appelle des bone morphogenetic proteins. Leur petit nom, c'est des BMP. Et ça, c'est leur structure biochimique qui est colorée, qui ressemble un petit peu à des papillons, c'est une image. Et ces protéines, elles sont capables d'être reconnues par les cellules souches, les cellules qui sont à l'origine de la formation d'os. Et quand elles viennent toucher ces cellules, les précurseurs de l'os vont alors enclencher la réparation de l'os. Ce qu'on a développé au sein de mon équipe, alors on a commencé ces travaux il y a déjà 10 ans, c'est un film qui va être capable d'aller délivrer cette protéine et que l'on va pouvoir déposer à la surface de tout type d'implant. Ici, ce que j'ai représenté, c'est un défaut osseux qui est en fait un défaut qui avait été fait dans un fémur de rein et qui faisait 6 mm de long. Et ce défaut, en fait, il a été comblé par un cylindre de polymère, un polymère qui s'appelle acide polylactique. Ce cylindre, quand il est tout seul, il n'est pas capable de refaire de l'os. Donc, ce qu'on voit ici en rouge, c'est la situation 2 mois après l'implantation. Donc, le cylindre, il est toujours là, mais sur la radio, on ne le voit pas. En revanche, quand on a couvert la surface de ce cylindre par le film actif qui contient la protéine, alors l'os est capable de se reformer. Ça, ce sont des expériences qui ont été faites en collaboration avec un chirurgien maxillofacial qui est notre collaborateur de longue date, Georges Bettega, avec lequel on a construit ce modèle de défaut. Et là, on montre que l'on peut vraiment activement réparer de l'os. Alors, depuis ces travaux, qui datent déjà d'il y a 4 ans, on a évolué pour montrer qu'on pouvait réparer des plus gros os. Là, actuellement, on est sur des modèles de mini-cochons. Donc, réparer des défauts qui ont des tailles comparables aux défauts d'un homme. Et avec cela, ce sur quoi on travaille actuellement, c'est de réaliser des implants à façon, c'est-à-dire qu'on peut utiliser désormais des méthodes d'impression pour aller façonner un implant à la taille, à la géométrie, à l'architecture que l'on veut, ce qui va permettre à terme de pouvoir aller réparer des os de patients en allant prendre des scanners des défauts de ces patients et puis ensuite en allant réaliser des implants à façon. Et ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle la médecine régénératrice, puisqu'on régénère, et puis personnalisée, puisque ça pourra être adapté selon le défaut, l'endroit, la taille de la personne, et selon ce qu'on veut réparer. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Hop, merci beaucoup Catherine. C'était très 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 intéressant. Et alors, moi, j'ai une petite question. N'hésitez pas déjà, première chose, n'hésitez pas, tous ceux qui viennent de regarder là, à poser vos questions à Catherine. On va les relayer, ou en tout cas, on va essayer de relayer le maximum de questions. Et puis, s'il en reste après, on transmettra tout et puis on pourra vous transmettre les réponses. Alors, moi, j'avais une question. Comment on les choisit, en fait, tous ces matériaux, tous ces bonnes protéines? Comment ça vient? Alors, c'est un peu des cahiers des charges. Alors, pour les matériaux, on va regarder qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut fixer, est-ce qu'il faut renforcer, quel est l'endroit, quelle est la taille. Et donc, il y a un peu des cahiers des charges en fonction de ce qu'on veut faire. Est-ce que ça doit être permanent ou pas? Du coup, est-ce que le matériau, c'est quelque chose qui doit être des très fortes propriétés mécaniques, mais qui ne va pas se dégrader? Là, on va prendre plutôt du métal. Est-ce que c'est quelque chose qui doit être plutôt temporaire, qui va servir de petit coup de pouce et qui doit ensuite partir? Là, on va prendre plutôt peut-être une céramique. Donc, c'est vraiment un cahier des charges que va adopter le clinicien. Et il y a jamais qu'une solution. Il y a oui. Peut-être une forme de solutions qui vont être plus ou moins bonnes. Et après, l'actif, en fait, ces protéines, elles ont été découvertes il y a très, très longtemps, hein, il y a 50 ans. Et à l'époque, il avait été montré que si on les mettait sous la peau, dans le muscle, elles étaient capables de faire de l'os. C'est comme ça qu'elles ont été identifiées au départ par Ulrich dans les années 65.
Et c'est vraiment ces protéines-là qui sont approuvées en Europe et aux États-Unis par les agences de réglementation, parce que donc c'est pour utiliser des protéines, il faut passer toute une étape de validation préclinique et clinique. Et ben elles sont vraiment très très fortes. Alors j'aime bien employer le mot bazooka, c'est-à-dire qu'elles vont vraiment booster nos cellules. Donc elles sont actives dans le sens où elles vont vraiment donner un signal un peu comme un antenne et un récepteur. Et donc actuellement, ce sont celles qui sont vraiment plus avancées en clinique, mais elles ne sont utilisées qu'avec une éponge de collagène. Et cette éponge, elle n'a pas de propriété mécanique, donc elle ne peut pas être actuellement utilisée vraiment pour aller remplir un gros défaut. Actuellement, on met cette éponge, on l'associe à notre implant en allant quelque part la plier et puis en l'insérant dans le défaut. D'accord. Alors, j'ai des questions sur YouTube qui viennent d'arriver. Il y a Thomas sur YouTube qui demande si tous les os, est-ce que tous les os sont éligibles à ce type d'opération ou vaut-il mieux se servir d'os intacts comme usine et puis après faire une greffe? Comment ça se passe? Comment on choisit? Alors là, nous, plutôt dans ce qu'on va viser, ça peut être des gros défauts de la face suite à un traumatisme facial, suite à un shot par exemple, des traumatismes en orthopédie sur des os comme le tibia ou le fémur. Ça, c'est plutôt typique des accidents, par exemple les accidents des motards. Et puis, les deux autres grosses applications, c'est plutôt la colonne vertébrale, le rachis, quand il y a des compressions des disques. Actuellement, ce qui est mis, c'est ce qu'on appelle des cages intervertébrales. Donc là, ça pourrait être en association avec la cage. Et enfin, le quatrième domaine, ça pourrait être, alors on n'en est encore pas du tout là, mais ça peut être le dentaire. Les personnes qui ont des problèmes de dents, vous savez peut-être, on met des implants, donc il faut à ce moment-là retirer tout, aller mettre un support, ensuite l'implant. Et là, ça pourrait aussi être utilisé dans ce domaine-là. D'accord, et du coup, c'est plein de domaines différents. Donc, non, pas pour tout. Ouais. Ouais. À chaque fois, il y a des problèmes d'os qui sont de taille assez importante et pour lesquels les solutions actuelles ne sont pas satisfaisantes. D'accord, et du coup, ça peut être n'importe quel, c'est-à-dire n'importe quel type de dommage, par exemple à la face, il n'y a pas un type d'os ou un type de dommage? Non, ça pourrait être un dommage, suite à un choc, par exemple. Un choc, un accident de travail ou quelque chose. Super. Et on a une autre question de Gwenaëlle sur YouTube aussi. Comment arriver au maximum à mimiquer l'os original avec de la régénération osseuse pour éviter les fractures de fatigue? Bah alors là, juste, enfin, en tout cas, donc dans notre cas, l'idée, c'est vraiment d'aller, c'est une espèce de tuteur. L'idée, c'est d'aller apporter à nos propres cellules un guide sur lequel elles vont pouvoir aller produire leur os. Et donc, c'est un concept qui est nouveau. Hein. Pour l'instant, on n'est pas chez l'homme. Hein. On n'est pas encore autorisé. Pour l'instant, il faut faire des expériences chez les animaux. Ça s'appelle du préclinique. Mm-hmm. Et c'est vraiment de leur donner le tuteur pour qu'elles aillent ensuite refaire leur matrice, parce que ce sont nos cellules elles-mêmes hein, qui sont capables de produire les os. Mais il faut les booster. Actuellement, ce qu'on fait, c'est plutôt dans les solutions actuelles, c'est soit on comble par, donc on greffe, mais il y a des inconvénients à la greffe, soit on va, entre guillemets, bourrer le trou par quelque chose, par du polymère ou par de la céramique. Donc là, nous, c'est une approche nouvelle qui consiste à aider notre propre corps à s'auto-régénérer en utilisant un implant comme tuteur. Et l'implant, celui qu'on vise, c'est quelque chose qui sera dégradable sur le long terme. D'accord. Donc, c'est destiné à être... à rester de nombreuses années, ça devrait normalement se dégrader progressivement dans le corps. D'accord. Et alors là, peut-être que c'est un peu loin et que c'est n'importe quoi, mais je tente quand même. Pour des applications, par exemple l'ostéoporose, là on a une perte de densité. Est-ce que ces fameuses protéines pourraient aider ou là c'est complètement un truc différent et Je pense que c'est très intéressant de poser cette question parce que l'ostéoporose, c'est systémique, ça touche tout notre corps. Nous, pour l'instant, on est plus avec ce procédé, on est plus dans quelque chose de local. Néanmoins, alors là, ça me fait rebondir sur un autre projet qu'on a dans l'équipe. On a les mêmes types de films. On a développé un autre procédé pour aller les déposer dans des plaques et étudier le comportement de cellules, mais cette fois-ci dans notre laboratoire. D'accord. Et là, du coup, ce qu'on étudie dans le laboratoire, on pourrait faire des modèles d'ostéoporose avec des cellules
qui ont des pathologies. Mais aller implanter un matériau pour traiter l'ostéoporose, je ne pense pas que ça soit une stratégie qui soit visée. Ça, on va être plutôt sur des médicaments qu'on va donner et qui vont agir sur la régénération osseuse. Donc ça, c'est des choses que nous, sur lesquelles on pourrait contribuer par les études qu'on fait plutôt au laboratoire, in vitro, on va dire. C'est-à-dire, là, ce sont les animaux, en utilisant les cellules, mais avec pas en faisant des expériences sur les animaux directement. OK. Merci beaucoup. Je crois qu'on n'a plus de questions et qu'on va arriver à la fin de cette première session de Pint of Science Live. Donc, un grand, grand merci, Catherine. Merci à tous pour votre attention. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée, Catherine. Et voilà, on arrive à la toute fin de ce tout premier Pint of Science Live. On espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, il vous en reste 5 autres et un grand quiz mercredi où là, on pourra jouer en live et essayer de gagner des cadeaux. Si vous n'avez pas aimé, il vous reste 5 autres lives pour changer d'avis. Donc voilà, j'espère vous retrouver. Là, il est bientôt 19h. Le prochain live commence à 19h30. On va faire une petite pause. On vous retrouve dans une demi-heure. À très très vite. C'est pile le moment pour aller se refiler, se reprendre un petit verre ou aller chercher un petit snack. On vous retrouve dans une demi-heure. À toutes.